très loin d'ici, frère. Dans ce putain de bidonville surnommé Gotham City, je t'ai parlé comme en terre. Certains sont charmés par Lucifer. Je vais continuer dans le remerciement pour remercier H. Maglan qui a bousculé un petit peu son emploi du temps pour venir passer 2 jours avec nous. Tellement j'ai creusé, ne jamais oser, mentalité générationnelle. C'est quoi qui vous a poussé à faire la chanson? Au début, c'était plus un passe-temps. On a fait des ateliers écriture avec des éducateurs. Mmh. Et petit à petit, on a pris le goût comme ça d'écrire, tu vois. De superposer les rimes, mais il n'y avait rien d'autre. C'était juste faire un beau texte, une belle chanson. Et petit à petit, ça a pris forme. Il y a d'autres acteurs qui sont rentrés dedans, plus grands, pour nous dire « Ah, ce que vous faites, c'est bien, vous pouvez continuer. » Et petit à petit, voilà. On récolte ce que l'on sème, dans l'épaule Dieu t'a acquitté. Tu prends des thunes mais t'oublies qu'un jour l'eau tu te fais remonter. Aussi noir que mes terres, je viens de là où tout est possible. Ici l'on vit un polar, là où les plus faibles se suicident. C'est vrai. Ce qui me plaît dans ce genre de rencontre, c'est, comme je disais tout à l'heure, les rencontrer vraiment le public en tant qu'être humain, en tant que personne. Dans leurs différences et pas de loin, soit derrière le studio, soit dans un clip ou sur scène, en mode masse. Mais là, c'est vraiment échangé, c'est intime. Et ce qui est bien dans ces rencontres, c'est qu'elles sont très intimes. Et les jeunes gens savent de quoi ils parlent, ils se renseignent un peu et on peut échanger. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le temps de se rencontrer, et de vraiment, vraiment partager des moments intimes. Quand on travaille, il y a des fois, on a envie de dire des choses, d'expliquer des choses au public, sur par exemple certains textes. Et je pense que ces rencontres-là, ça permet de pouvoir se livrer comme ça. Entends-tu les cris dans nos allées, au bord d'une falaise, il n'y a plus de monnaie pour régler la facture d'eau. Tellement de mépris à qui parler quand t'as plus. Est-ce que le clip de Prohibé se passe en Côte d'Ivoire? Je l'ai fait en Côte d'Ivoire, dans le quartier dans lequel je suis né, qui est dans une commune qui s'appelle Yopougon, Selmer, et le quartier s'appelle Gotham City. Symboliquement, j'ai voulu tourner le clip là-bas dans lequel je suis né, dans le quartier dans lequel je suis né, qui s'appelle Prohibé. Voilà, donc j'ai grandi, j'ai évolué dans cette place-là. Et... Pour une mère, une balle à bout portant, on se bouscule. Ça, j'ai un message positif, hein, comme toujours. Le travail, les études. Aujourd'hui, je vis de la musique, mais à côté, quand tu reçois l'argent, tu vas pas vivre. Faites la musique, t'en vivras pas toute ta vie. Et tu vas faire autre chose. Et pour faire autre chose, tu te rends compte que tu as besoin d'un bagage, tu as besoin d'avoir fait des études pour comprendre certaines choses. Ne jamais lâcher, être fier de ce qu'on est et avancer tout droit, tu vois. C'est ce que je veux que les jeunes retiennent, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Pas ce que je fais, mais chaque chose qu'on fait dans la vie, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, tout le monde peut arriver à s'accomplir. Seul sur mon divan, je vous souhaite que du bien. Laisse la médisance, car je crains le divin. C'est vous qui me disiez que les gens deviennent aigris. Bizarre, ils se déguisent quand le temps se compte en devise. Je vous laisse passer devant, laissez-moi du blin. Je rame, ça fait 10 ans, je n'ai pas besoin du plein. À chaque fleur sa saison, ce que m'en me disait. Je disais, je visais la lune sans la fusée. On voit les vrais visages quand la lumière s'éteint. C'est quoi le plus dur dans ton métier? Le plus difficile, c'est qu'on ne sait pas. On mise beaucoup, ça prend beaucoup de temps. On mise beaucoup sur des choses et on ne sait pas ce que ça va donner à la fin. Ma matière préférée, c'était le français. J'aime bien soulever le côté motif de la personne parce que dans le rap, il suffit d'une plume
tu peux soit déclencher le côté bestial de l'auditeur et, ou attaquer son côté humain. Taringue l'étincelle, c'est le si. Un Yankee, une seringue, je vous épargne les suicides sous acide, les peines lourdes. Je sais pas, 18. Parce que 20, c'est la note inaccessible. C'est parce que tu peux pas accéder à 20 que tu travailles toujours plus. Donc 18, ouais. Police comme Sting dans les coulisses, 13 villes, un bolide. Feu rouge, ça se bat en carjacking. Je continue mon meeting sous le signe du yin. Dounia fait son lifting, cramé comme... Je pense que, ouais, un bon 18, c'est bien pour que, voilà... pour qu'ils fassent encore mieux, qu'ils aillent vers l'excellence, mais... C'est vraiment bien carré, on est bien accueillis, on rencontre des gens bien, il y a des gens investis. Je vois aussi le travail que font tous ces adultes autour de leur quartier qui se prennent en main, les liens sociaux qui se créent, et j'aime beaucoup ça.